Moi, c'est Toalibou Youssouf, je suis matelot au STM depuis 2006. Je suis entré au STM en tant qu'agent de sécurité. J'ai fait 2 ans, après j'ai passé un PCMM. C'est pour être chef mécanicien sur les bateaux de 250 kW. Un an après, je suis passé matelot. J'ai fait 2 ans, après je suis parti faire mon CIN pour avoir un minimum de connaissances concernant mon travail. Donc pour être bien calé dessus, je me suis formé à l'école maritime de Daouzi. Et en fait, c'est un travail qui est évolutif. Matelot, ça peut t'amener plus tard à être commandant, par exemple. Pour moi, franchement, c'est mieux d'aller commencer d'abord, faire d'abord ces formations avant de commencer le boulot. Parce que si tu commences le boulot, après tu vas te former, des fois, c'est pas évident. Le métier de matelot, il est très vaste. Donc chez nous ici, ça consiste à s'occuper de tout ce qu'il y a sur le pont, ranger les voitures, tout ce qui est nettoyage, lever la porte ou baisser la porte. Donc tout ce qui est pont, ça c'est notre travail. Et nous secondons aussi le commandant, en cas où il a un coup de fatigue, nous sommes amenés à conduire la barque à sa place. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on est toujours là. D'accord. Tous les jours du lundi au dimanche, il n'y a pas de fête. On travaille 14 jours, après on a 7 jours de repos. Mais les 14 jours qui est fête ou pas, on est là. Il y a beaucoup de contraintes à notre travail. Déjà, côté boulot lui-même, il est dangereux. Parce qu'avec les voitures, si tu ne fais pas gaffe, tu peux te faire écraser par une voiture. Donc, le bruit des voitures aussi. Donc, c'est un travail très fatigant. Mais si on l'aime, ben, ça va. C'est un sort de puzzle. Donc, du coup, des fois, tu as une voiture qui est un peu plus grande qu'une autre. Des fois, tu as une voiture qui est un peu plus large qu'une autre. Donc, du coup, il faut avoir l'œil pour voir là où une telle ou telle voiture pourra rentrer. Par rapport aussi aux stabilités du bateau, on ne peut pas les mettre n'importe quelle voiture n'importe où. Avec les camions, par exemple, on ne peut pas les mettre sur un côté s'il n'y a pas un autre pour le mettre de l'autre côté pour équilibrer le bateau. On fait des allers-retours à Mamoudzou ou Dzaoudzi, 8 heures par jour, donc soit le matin ou l'après-midi. Certaines personnes verraient que les va-et-vient qu'on fait tous les jours, mais pour nous, le travail n'est pas vraiment monotone comme ça. En fait, tu es amené à rencontrer des gens. À chaque fois que tu fais un voyage, ça te permet de voir des gens. Donc du coup, c'est tout le temps de la nouveauté.